Pour être aimé par ta belle-mère, ta belle-famille, toi, femme, homme, mariée, ta belle-famille ne t'aime pas. Malgré tous les efforts fournis, malgré tout ce que tu fais, ils te détestent. Ils disent que tu ne veux pas pour leur fils ou que tu ne veux pas pour leur femme. T'es pas la personne qu'ils attendaient. Ils ne t'acceptent pas. Alors, terminer cette méchanceté avec toi. En faisant ce rituel, tu verras comment tu vas trouver l'harmonie au sein de ta famille. Mais ce n'est pas seulement le rituel. Il faut changer aussi ton comportement, revoir ton comportement, etc. Faire ton examen de conscience également. Comme vous le savez toujours, avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir les informations qui te seront utiles. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belle Claire, votre coach spirituel en vie sociale et en amour. Pour tous vos problèmes, besoin d'un rituel personnalisé dans tous les domaines, mon adresse email contact@belleastuce.net ou directement sur ma page web belleastuce.net, soit encore sur mon WhatsApp 0034 612 40 96 28. Vos services sont 100% garantis. Je vous attends de l'autre côté. À très bientôt. Il te faut du jus de noix de coco. D'accord? On a besoin du jus de noix de coco, les feuilles de basilic. Si c'est du frais, encore parfait, très très bien. Si c'est du frais, la base du savon que je l'ai déjà mis à fondre, ok. De la lavande, de la sauge, de la poudre de cannelle. Moi, j'ai réduit ici la lavande. La sauge, vous allez écraser pour le rendre en poudre. Alors, ce que je vais venir faire, c'est mélanger mon eau de coco à l'intérieur. Ok, comme ceci. Je vais rajouter également ma cannelle parce que là, tout ce que j'ai, c'est ne mettez pas trop de cannelle, sinon elle va vous piquer le corps. D'accord? Donc là, j'ai fait moulu la sauge, les feuilles de basilic, la lavande. Et là, ma poudre de cannelle, mon jus de coco, je vais tout mélanger avant de rajouter à ma base de savon qui est en train de se fondre. Et tout simplement, on va le faire mouler. Donc, vous allez tout écraser. Voilà. On mélange ça comme ceci. Alors, il faut vraiment bien le mélanger. La poudre de cannelle est un tout petit peu têtue, mais à force de tourner dans l'eau de coco, elle prend, comme vous pouvez constater. Une autre chose que vous pouvez faire, pour ceux qui ont de la patience, vous pouvez casser totalement la noix de coco et ensuite vous allez râper et faire presser le jus. Obtenir le jus pressé là que vous allez mélanger avec la sauge, la lavande, le basilic et la poudre de cannelle. Afin de faire votre mélange bien. Une fois que tout ça est fait, je vais tout simplement venir l'incorporer à mon savon, toujours en tournant. D'accord? Dépendant de la quantité de savon que vous voulez faire, vous incorporez aussi les ingrédients. Mais une chose, comme je vous dis toujours, soyez généreux sur certains ingrédients. Mais ici là, ne mettez pas trop de noix de coco, pardon, ne mettez pas trop de poudre de cannelle, sinon après elle va vous gratter la peau parce que la cannelle elle démange. D'accord, une fois que vous avez bien incorporé vos choses, pendant que vous le mélangez, pensez à ce que vous voulez que votre, comment vous voulez que votre belle famille vous aime, vos belles soeurs, votre belle mère du côté de ton mari, ou si c'est toi l'homme du côté de ta femme, si c'est toi la femme du côté de ton mari, tu le mélanges, tu parles,
une fois que tu vois que c'est suffisant, tout ce que tu as parlé, tout ce que tu voulais dire, tu vas tout simplement venir passer au moule. D'accord? Vous créez vos moules. Tu viens tout simplement passer tout ça dans un moule. Toujours pendant que vous préparez votre mélange de savon, il faut allumer une bougie rouge ou une bougie blanche. Moi, j'avais là ma bougie rouge, d'accord? Vous allumez une bougie rouge ou une bougie blanche. Ok, on va passer au moulage. Tout simplement, vous allez mettre dans votre moule. Je vous ai déjà dit, apprenez à créer vos propres moules. Il est très, très, très important. Pas toujours besoin d'acheter. Alors, nous avons 3 pièces de savon. Une fois qu'elle a séché, vous allez le laisser pour 3 jours pour qu'elle sèche. Elle durcit très, très bien pour 3 jours. Et à partir du 4e jour, vous pouvez déjà commencer à utiliser ce savon quotidiennement pour vous laver avec. Et comme j'ai dit, en faisant toujours l'effort de revoir votre comportement, faire votre examen de conscience toujours, et vous vous lavez avec quotidiennement. Il n'y a pas un jour fixe, il n'y a pas une date. Donc passez tout simplement les 3 jours, le 4e jour vous commencez à vous laver, et voilà, c'est parfait. Le tout est joué. Vous allez voir qu'après cela, votre belle famille serait tout simplement amoureux. Je dis bien, sera tout simplement amoureux de vous. Vous serez le genre parfait. Vous serez la belle fille parfaite qu'ils ont toujours désiré. Or, avant, ils vous détestaient. Par le pouvoir de ce rituel, de ce savon qui change tout, je vous souhaite une réussite totale, belle.